Je suis malhonnête, je suis trompeur. Ne faites pas comme moi. Je suis béco. Si tu fais comme moi, je vais te gifler. Voilà, 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 voilà. Je vais t'expliquer. Je te jure, non, je te dis pas pour ouais, où il est? Ouais, envoyez-le. Rentrez-y là. Pourquoi rentrez-y? Allez. Qui est le plaignant? C'est moi, monsieur le commissaire. Ah, attends pour moi, la plaignante. Bon, madame, on vous écoute. Monsieur le commissaire, ce monsieur est venu me voir sous prétexte qu'il vend les voitures d'occasion. Il m'a même montré les photos et les papiers qui m'ont rassuré. Oui. Et je lui ai donné 2 millions comme avance pour une 4x4 Prado. 2 millions de francs. Oui, et qui devait être livré le lendemain, c'est ce qu'il m'a dit. Et depuis ce temps, ni lui, ni la voiture, les deux sont portés disparus. Je le trouve dans le Woro Woro, nez à nez. C'est là que j'ai demandé à ces deux messieurs de m'aider à l'amener au commissariat. Ok, c'est bien. Monsieur, qu'est-ce que vous en dites? C'est bon, calme-toi. On se calme. De toutes les façons, on va trouver une solution. Ok? Oh, oh, écoute, hey. Écoute, mon ami, on se calme. Calmez-vous. Il parle. Il nous a même fait une proposition. Calmez-vous. Eh, hey, madame. On dirait que vous êtes trompé de personne, hein? Monsieur le commissaire, je ne me trompe jamais. Ce monsieur n'est pas muet, il parle. Vous avez les preuves? Oui. Ce monsieur-là, il essaie de nous corrompre tout à l'heure. Oui. Ah, bon? Ah, il veut nous corrompre. C'est insoumis. Monsieur le commissaire, ouais. Faites quelque chose, il va parler. Bon, madame, vous allez vous calmer. Parce que ici, la répression est punie par la loi. Mais néanmoins... Capitaine Malo! Oui, mon commissaire! Venez me voir! Mais vous! Non, faut t'asseoir. Faut te calmer. Oui, mon commissaire. Repos! Ok. Eh, mon capitaine! Oui, mon commissaire. Ce monsieur que voici est un soumier. Oui. Il ne parle pas, il n'entend pas aussi. Ah bon? Oui. Et demandez-lui, est-ce qu'il reconnaît avoir pris la somme de 2 millions à cette dame pour l'achat d'une voiture 4x4 Prado? Non, mais ça va. Ah, ouais, mais pas ta chère! Le passant, t'es brûlé à ta main, bravo! Ça va. Calmez-vous, monsieur. Eh, mon commissaire, oui. Il dit vous l'emmerdez. Ouais. Et puis de deux, il dit vous ignorez l'affaire, pourtant vous êtes complice. Moi? Il dit quand il a pris l'argent avec la dame, il vous a donné votre part. Mais que lui n'arrive pas à comprendre. Puis toi tu connais rien, puis toi tu es commissaire. Tu es trop bête. Mais tu mens. Commissaire, c'est mon ami. Donc tu as dit ça. Donc tu parles alors. Oui, mon commissaire. Fais ce qu'il y a à faire. Okay. Respecte-moi.